Sur le micro d'abord, s'assurer que tout le monde entend bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, peux-tu me faire tester? Un petit peu. Ben, je... Pardon. Ouais, de cet angle-là, je vois pas très bien où est-ce que je suis. Donc, comme ça. Je m'en déquis. Pardon. Yeah. OK. Ah, voilà. Et donc, voici la page titre de ma présentation. Donc, je m'appelle Marianne. Je suis candidate à la maîtrise à l'Université Laval en astrophysique. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet, entre autres, mais aussi de tout ce qui a servi comme outil à ce que j'en viens ici à parler de ça aujourd'hui. Et donc, le titre de ma maîtrise, c'est « La nébuleuse du croissant qu'on voit ici en fond d'écran, à travers l'œil de l'instrument CITEL, qui est en ce moment déployé au télescope Canada-France-Hawaï, justement à Hawaï. » Et donc, j'ai tous mes collaborateurs, j'ai mes affiliations ici, mais ce qui est important, c'est l'image de fond. La voici. Et je commence avec le divulgateur, là, parce que déjà, directement, ça, c'est la science. Ce qu'on voit, en fait, c'est la partie nord de la nébuleuse du croissant. Et donc, on peut voir la personne catastrophique qui a tout déclenché. C'est l'étoile ici au centre, en bas de l'image. Ça, c'est une étoile très, très massive qui a expulsé une quantité phénoménale de gaz qu'on voit ici en bleu, il s'approche de nous, et en rouge, il s'éloigne de nous, et en soi, ça c'est un résultat scientifique qui nous dit que c'est une bulle qui est en expansion. Donc ce qui est en bleu, ça s'approche, ce qui est en rouge, ça s'éloigne, et donc on le voit bien, ça s'expande. Puis ben, pour confirmer ça, on a aussi du gaz en jaune, hein, qui ni s'approche ni s'éloigne, et donc on devine que c'est une coquille en expansion, mais dans ce sens-là. Et donc, je reviendrai à cette figure-ci parce qu'en soi, si un résultat scientifique, j'ai des chiffres associés à ça que je vous présenterai à tout le monde. Pour une petite mise en contexte, là, c'est un objet céleste qui est dans le ciel, qui est existant, puis qu'on peut même voir ce soir directement. Là. Donc, pour vous montrer un petit peu de quoi a l'air son voisinage, c'est sûr, à travers un télescope, on voit très bien ces couleurs-là. À l'œil nu, c'est quand même tout noir. Donc, ça, c'est la nébuleuse du croissant en bleu. Puis, moi, je vais vous parler aujourd'hui de deux champs de vue en particulier, donc deux petite photo qu'on est capable d'en prendre, donc celle au nord et celle au sud. C'est une photo prise par un astronome amateur, donc il fait ça par passion. C'est jamais scientifique. Il s'appelle Dave Rader, c'est un Américain. Et donc, première des choses, qui suis-je? Eh bien, mon nom, c'est Marianne, et je suis étudiante à la maîtrise en astrophysique à l'Université Laval, je vous ai déjà dit ça. Mais ce qui est vraiment intéressant à propos de moi, c'est ce que j'étudie dans la vie, et donc c'est la nébuleuse du croissant ici, qu'on voit sous toutes les données que j'ai malheureusement pas toute la nébuleuse. Et j'arrive d'une conférence au Mexique où j'ai présenté justement ces résultats-là. Et donc, on peut me voir ici, dans le noir, sur une photo de piètre qualité venant d'un iPhone, avec exactement la même photo de fond d'écran. Et donc, je me spécialise justement dans l'évolution des étoiles massives. Donc, l'étoile qui est ici en plein centre, c'est une étoile 50 fois plus massive que le Soleil. Et c'est en étudiant le gaz qui est autour d'elle, bien, on est capable de savoir comment elle a évolué. Et donc, je me spécialise là-dedans, mais je suis ici en ce moment parce que je me passionne pour deux autres petites affaires en parallèle, qui sont l'art de produire une belle image. Donc, celle-là, elle pourrait être plus belle, OK, mais j'ai vraiment fait mon possible. Puis, la communication scientifique, parce que j'aime vraiment beaucoup partager ma passion à des gens comme vous, qui ont demandé d'être ici, en fait, c'est vraiment cool. Et donc, le plan de marche pour la petite vingtaine de minutes que je passerai avec vous, ça va être de commencer en vous parlant un petit peu des résultats de ma maîtrise, de c'est quoi l'objet qu'on observe, parce que j'en observe juste un, hein, donc c'est important de bien le comprendre, la nébuleuse du croissant, puis faire un lien avec pourquoi je suis ici pour en parler, c'est quoi le rapport avec l'observatoire du Mont Mégantic. Eh bien, l'instrument que j'utilise pour observer cette nébuleuse-là, en fait, c'est le successeur d'un instrument qui est ici à l'observatoire du Mont Mégantic, qui s'appelle Espion. Donc, c'est un peu contre-intuitif, là, en fait, ça s'écrit Spion, mais ça se prononce Espion, parce que c'est bien plus cool. Et donc, je vais vous présenter quel genre de données on est capable de produire avec ça. Et le bout un petit peu plus épuisant, là, challengeant scientifiquement, ça va être les technologies de comment on arrive à produire ça. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous supporter là-dedans, puis je vais vous réveiller quand ça va être fini. Puis sinon, après ça, je vais parler un petit peu de CITEL. Donc, c'est quoi cet instrument-là? Ben, vous allez voir, ça va être rendu facile à ce moment-là parce qu'on va venir juste d'expliquer espion. Quel genre de données on observe? Quel genre de science on est capable de faire avec ça? Puis, on va terminer avec des résultats scientifiques. Puis, une activité
Là, je ne veux pas trop monter vos attentes. Là, ce ne sera pas une activité super tripante, mais je vais vous faire sortir vos téléphones pour ceux qui en avaient. Et donc, on commence avec mon projet de maîtrise qui se trouve dans la constellation du Cygne, ici, en fait, dans son chest, si on la voit bien. Puis qui, à main levée, sait en ce moment où est la constellation du Cygne? L'animateur. Une personne? Les animateurs. Je vais vous donner un truc d'abord là, pour savoir où est la constellation du Cygne, parce que c'est une constellation d'été qu'on voit toutes les nuits d'été, donc on va la voir ce soir si derrière les nuages. Donc, c'est dommage, j'ai mal cadré mon affaire, mais ici, on a l'étoile polaire tout en haut, et encore plus en haut, on a la Grande Ourse. Grâce à la Grande Ourse, on est capable de trouver l'étoile polaire. C'est juste en faisant une grande ligne qui rejoint les deux, puis en la prolongeant, qu'on trouve la constellation du Cygne, et c'est gagnant à tout coup. Une fois qu'on a trouvé la constellation du Cygne, eh bien, on sait où est mon objet préféré du ciel, la nébuleuse du croissant. On est capable de l'observer avec des jumelles, jamais à l'œil nu, par exemple. Fait que ça, c'est un peu décevant. Pour vous mettre en contexte, ça, c'est une capture d'écran tout simple du logiciel Stellarium. Et donc, on voit la Lune, ici à gauche, qui va se lever vers minuit ce soir. On a mon objet préféré, la nébuleuse du croissant, qu'on voit ici. Et l'étoile polaire, ici en haut. Bon, donc, la nébuleuse du croissant, par son petit nom scientifique, NGC 6888, en fait, dans le cadre de ma maîtrise, je ne l'ai jamais appelée la nébuleuse du croissant. Je suis désolée, c'est ça son nom, mais en fait, 6888, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ici, je vous montre une image chimique de cet objet-là. Donc, on voit en bleu l'oxygène, donc qui est une couche vraiment plus extérieure, beaucoup plus lisse. Et à l'intérieur, on a l'hydrogène et l'azote qui sont en rouge et en vert combinés. Ça donne une espèce d'orange. Ça nous montre en fait que c'est un objet à double couche. Donc, on a la couche à l'intérieur qui est un petit peu plus turbulente, un peu plus active, puis on a la couche à l'extérieur toute lisse, très jolie, charmante, et pas exactement en même temps. Ce qui est fascinant en soi, puis que la science qu'on peut faire avec ça est aussi très fascinante. L'existence de cet objet-là est assez mystérieuse, mais on est capable, avec des modèles scientifiques assez complexes, de déterminer que c'est du gaz qui vient de l'étoile au centre. Et donc, tout ça vient en fait du petit point ici au centre. C'est une bulle qui est poussée par la chaleur de cette étoile-là. C'est du gaz qui vient de l'étoile. Elle s'appelle WR136. Et WR, là, c'est ses initiales, en fait, c'est une étoile de type Wolf-Rayet, donc très, très massive, à un clin d'œil stellaire d'explosion supernova. Il y a un petit point d'interrogation ici parce qu'on s'en doute bien, mais on n'a aucune façon de le prouver pour l'instant. La science est ce qu'elle est, et on est toujours obligé de parler au conditionnel parce qu'on ne sait jamais vraiment. Donc, on voit bien les deux couches distinctes ici. Puis là, il faut être bien prudent, parce qu'à première approche, c'est une étoile, il y a du gaz autour. On pourrait faire l'approximation que, comme le Soleil est au centre du système solaire, il y a des étoiles autour, mais il y a 30 000 degrés de différence entre les deux. Donc, cet objet-là est 30 000 fois plus large que le système solaire. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir l'observer, en fait. Et donc, le but de mon projet, c'est de décrire cet objet-là, en fait, pour en faire les meilleurs modèles possibles d'évolution, savoir confirmer qu'il va exploser en supernova. Et donc, on utilise les données de CITEL dont je vous parlerai bientôt. Et je vais en dresser un portrait complet, par exemple de sa température, de sa densité, ses constituants chimiques, la vitesse de son expansion, et bien plus. Et le but, c'est bien sûr de comprendre son évolution au complet, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc, on commence avec la matière un petit peu plus scientifique, un petit peu plus technique de l'instrument qui nous a permis d'acquérir ces données-là. Et donc, ça s'appelle Espion, puis c'est un instrument qui est toujours à ce jour installé ici en haut à l'observatoire du Mont-Mégantic. Donc, c'est une grosse bébelle, une grosse jupette qu'on met en dessous d'un télescope. Donc, c'est complètement dépendant du gros miroir de 1,6 mètres. Puis, son nom, là, Espion, ça vient de spectromètre imageur à transformer Fourier à l'observatoire du Mont-Mégantic. Et tout ça, c'est du jargon et c'est complètement inutile de savoir tous ces mots compliqués-là. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on est capable de produire en même temps, de façon combinée, une image et un spectre en même temps. Et donc, on est capable de produire ce qu'on appelle des cubes de données en trois dimensions. On a les deux dimensions habituelles d'une image, donc de haut en bas, de gauche à droite. Mais en même temps, on a une donnée de profondeur qui nous permet d'avoir un spectre ici qui regorge d'informations.
Et donc, par l'image, on a la position, et par les spectres, on a absolument tout le reste de la science. Là, ça, c'est la partie compliquée. Attention, si vous êtes pour tomber dans l'une, c'est maintenant, puis je vous réveille dans 3 minutes. Donc, on a conçu cet objet-là, cet instrument-là, à partir des années 2000 jusqu'à 2007, puis on a déjà eu les premières données à partir de 2004, par Frédéric Grandmont et une équipe de comme une dizaine de personnes, puis c'est vraiment un projet phénoménal qui a nécessité énormément d'énergie, à la fois par des ingénieurs spécialisés en astrophysique, mais aussi par des ingénieurs en optique bien classique. Puis, la technologie derrière tout ça, c'est un interféromètre de Michelson, et donc, c'est comme une technologie qui nous a servi à la base de confirmer que la Terre tournait autour du Soleil par l'expérience de Michelson-Morley en 1887. C'est un système qui est très, très vieux, mais qui est appliqué à l'astronomie depuis maintenant 20 ans. Donc, c'est tout jeune comme domaine d'astronomie, et je vous explique son fonctionnement à l'instant. On commence avec la source dans le ciel, qui nous renvoie de la lumière, puis qu'on divise en deux parties égales par un miroir semi-réfléchissant ici en diagonale. On a la flèche verte et la flèche orange qui vont passer par des trajets optiques, donc des chemins différents et de longueurs différentes. Puis on va finir par les refaire interagir par la ligne mauve ici pour la détecter. Tout ça, ça a pour intérêt de faire interagir la lumière avec elle-même pour savoir de quelle couleur elle est composée. Donc certaines couleurs vont être soustraites par elle-même, puis certaines couleurs vont être additionnées avec elle-même, puis en faisant changer les trajets optiques du miroir 1 et du miroir 2 en même temps, en parallèle, bien, on est capable de décomposer et de savoir toute la composition de la lumière, et c'est franchement fantastique. Mais ce qu'il faut savoir avec la lumière qui vient du ciel, c'est que chaque particule lumineuse, chaque photon, est précieuse, et c'est un joyau qu'il ne faut absolument pas l'acheter à la poubelle. Mais pour les gens qui ne sont pas encore tombés dans l'une, vous aurez remarqué que on a la flèche ici qui est semi-réfléchie, on a la flèche ici qui est semi-réfléchie, mais elle s'en va à moitié ici, elle. Puis la verte, même affaire, elle s'en va à moitié ici. On a la moitié du signal qui est perdu. Eh bien, on a remédié à ça dans Espion et on a rajouté un deuxième détecteur qui fait en sorte qu'aucune lumière est perdue. Ça a l'air niaiseux, là! Mais on a appris ça, on a fait ça pour la première fois dans les années 2000. Puis franchement, ça change tout. C'est deux fois plus de signal, c'est zéro perte. Puis ça, c'est pour prouver encore la peine, là. Donc la lumière est une onde lumineuse. Donc, un petit flou, qu'on divise en deux, qu'on fait refléter sur le miroir, puis qu'on réadditionne à la toute fin, pour savoir de quoi est composé. Un interféromètre de Michelson. Ça, c'est la fin du bout de technique. Vous pourrez vous réveiller si vous êtes... si vous étiez endormi. Et donc, ça fait en sorte que Espion, c'est un objet qui est parfait pour observer la lumière du visible. Donc, la lumière visible à l'œil nu. Par contre, c'est des signaux qui sont vraiment, vraiment faibles, donc jamais on serait capable d'observer ce qu'eux observent, en fait. C'est 1340 par 1300 pixels, ce qui est relativement faible pour la photographie qu'on fait aujourd'hui en 2023. C'est quand même une petite photo, mais ça nous donne amplement de ressources pour faire de la belle science avec ça, quand même. Puis pour chacun de ces pixels-là, eh bien, on a accès à un spectre. Donc ça fait en sorte qu'on a plus qu'un million de spectres, ce qui est des données hyper riches. Puis on a un champ de vue de 12 minutes par 12 minutes d'arc, ce qui équivaut à peu près un cinquième de degré, un cinquième de la Lune. Ce qui est énorme aussi, ça a l'air petit de demain, mais une étoile dans le ciel, c'est vraiment, vraiment minuscule, donc ça englobe vraiment beaucoup. Donc c'est un objet qui est parfait pour observer à la fois des objets qui sont étendus spatialement dans le ciel, comme des galaxies éloignées, qui remplissent grandement cette image-là, parce qu'il y a quelque chose qui est trop petit dans cette photo-là, ben, ça ne sert à rien de l'observer avec un si bon instrument. Et quelque chose qui émet de la lumière, évidemment, ça fait vraiment l'objet parfait à observer avec cet instrument-là. Donc, des galaxies, par exemple, mais aussi des objets à l'intérieur de la Voie lactée, comme des restes de supernova ou des nébuleuses. Maintenant, CITEL. Je vous avertis tout de suite, la partie du CITEL est finie. CITEL, c'est espion, mais mieux. C'est la même chose. Donc, son nom, je commence avec une petite mise en contexte, là. Les astronomes, ils ont l'espèce de passion complètement absurde de faire des acronymes cool avec des mots qui n'ont pas rapport. Donc, spectromètre imageur à transformer de Fourier pour l'étude en long et en large des raies en émission. C'est quand même cool parce que ça donne CITEL, qui est un oiseau qui tient généralement les fesses par en haut. Pour ceux qui sont fans d'oiseaux, on dirait un peu, mettons, on se tire ça par les cheveux, là. L'instrument ressemble peut-être un peu à un oiseau qui se tient les fesses par en haut. Bon, bref.
Donc, c'est le successeur direct de Espion. Il travaille toujours dans le visible, avec plus de pixels beaucoup, donc 4 fois plus de spectre. Et avec à peu près le même champ de vue, légèrement plus petit, mais ça, c'est défini par le télescope où on le met, tout simplement. Et qui a acquis sa première lumière, donc sa naissance, le 7 juillet 2015, qui exactement il y a 8 ans. Donc c'est son anniversaire, moi je me sers de Stella à tous les jours dans mon travail, et donc c'est un petit peu émotif pour moi dans mon cœur que ce soit aujourd'hui son anniversaire. Comme je disais tout à l'heure, au télescope Canada-France-Hawaï, à Hawaï. Et donc, quel genre de données ça donne? C'est quoi le cadre de mon travail? Avec quoi je travaille? Eh bien, on travaille avec le spectre visible. Qui ici a fait ces sciences de la nature? Pour ceux qui l'ont fait, je vais faire un rappel peut-être douloureux. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vais en parler quand même, puis tout le monde va être sur la même longueur d'onde. Parlant de longueur d'onde, voici les longueurs d'onde du visible, en commençant au rouge, donc le moins énergétique, pour se rendre au bleu, le plus énergétique. Quand on travaille avec Stella, on travaille avec des filtres qui sont limités, donc par exemple SN3 qui travaille dans le rouge exclusivement. Puis on est capable de choisir quel filtre avec lequel on veut travailler. Moi, j'ai la chance de travailler avec ces 5 filtres-ci. Et voici un exemple, attention, effrayant, des spectres avec lesquels je travaille. Donc, les pics qu'on observe ici, c'est la présence de différents atomes. Donc, en soi, ce sont des données, juste leur existence est une donnée. Mais la hauteur de chaque pic nous indique à quel point il y en a qui sont présents. Puis la largeur de chaque pic nous indique peut-être la vitesse à laquelle ils s'approchent ou ils s'éloignent de nous. Et donc en couleur, là, c'est toujours représentant la couleur qu'ils représentent pour vrai. Je travaille en longueur d'onde qui évolue dans cette direction-ci, ou en nombre d'ondes qui évolue dans cette direction-ci. Et si ça ne vous tente pas de regarder les axes, vous avez le droit. Parce qu'on s'en fiche. Et donc, voici ce qu'on peut faire avec ce genre d'échantillon-ci. Donc, on a, par exemple, l'arrêt H-alpha ici, qui est d'hydrogène. On en fait une carte, puis on la colorise en rouge pour en faire une image. Très scientifique. On poursuit avec ces données-là, mais là, on a décidé de tout mettre dans la qualité des données. Donc, on a pris beaucoup plus de temps au télescope. Chaque seconde est vraiment précieuse dans un télescope. Donc, on a à peu près 3 heures d'acquisition pour chacun de ces 2 spectres-ci. Puis là, on a boosté la qualité, et donc en rouge, on a toujours le spectre avec l'hydrogène, et en vert, on a le spectre avec l'oxygène. Donc les deux favoris, en fait, que j'utilise. Et donc, voici des échantillons de genre de cartes qu'on peut utiliser, alors que ça, pour la plupart des instruments qu'on utilise actuellement en science, ça prend une acquisition pour chacune. Là, on en observe 23 en même temps. Et donc, en premier lieu, on a l'oxygène ici, on fait apparaître tranquillement pas vite l'hélium, le néon et l'oxygène encore une fois, mais un petit peu plus froid. Ça, c'en est 4, mais en fait, on a accès à 23. Donc, il est fait apparaître ici, ce qui est vraiment intéressant. Donc, premier résultat de ma maîtrise, on a accès aux températures. Je ne me lancerai pas dans les maths. Tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il y a un facteur limitant dans cette équation-ci, c'est une raie qui n'est vraiment pas si forte. Et même chose pour une deuxième façon de calculer la température qu'on place ici dans la section sud de la nébuleuse. Ce que je tiens à préciser, c'est que toutes les régions ici en bleu sont placées en périphérie de la nébuleuse, sauf celui-ci. Mais en l'analysant d'un autre point de vue, on se rend compte que c'est en périphérie devant la nébuleuse. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que systématiquement, toutes les températures qu'on calcule qui sont en périphérie sont très, très hautes. Donc, on calcule des températures d'environ 16 000 Kelvin, donc environ 16 000 degrés Celsius en périphérie, alors que 7 000 Kelvin à l'intérieur de l'objet. Et donc, déjà, c'est un super gros résultat scientifique qui nous dit qu'une nébuleuse est beaucoup plus chaude à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mon dada, ma partie préférée de ma maîtrise, c'est l'expansion de l'objet. Donc, c'est une image que je vous ai déjà montrée, là. Donc, l'arrêt Doppler en H-alpha. Ça, ce que ça veut dire, c'est quoi un effet Doppler? Pour ceux qui ont fait leur science de la nature, vous le savez déjà. Mais ceux qui n'ont pas fait leur science de la nature, l'effet Doppler, en fait, on le remarque surtout dans des affaires comme la F1, où on entend la voiture s'approcher, c'est aigu, puis on l'entend s'éloigner, ça devient grave. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'onde sonore est beaucoup plus diluée une fois que l'objet s'éloigne de nous. Ce qui est fascinant, c'est qu'on observe la même chose quand il s'agit de lumière. Donc, quelque chose, une lumière qui s'éloigne de nous va être systématiquement plus rougie. Ce qu'on appelle le rougissement Doppler ou le redshifting en anglais.
Et donc, c'est ce qu'on observe ici. Donc, plus la lumière est rouge, plus c'est loin parce que la lumière est diluée. Et donc, par exemple, c'est ce que je viens d'expliquer. Là, on prend une carte de, par exemple, l'hydrogène, ce que j'ai fait ici, H-alpha. On la prend en classique, bien, on la colorise en vert parce que c'est celle-là qui est au centre. Mais si, par exemple, on prend celle qui est redshiftée, donc celle qui est légèrement plus loin, bien, on la colorise en rouge. Celle qui s'approche, on la colorise en bleu. C'est comme ça qu'on constitue une image comme celle-ci pour les fans d'astrophoto. Y a-t-il des fans d'astrophoto dans la salle? Cool! J'aimerais ça qu'on se parle. Plus tard, je connais rien. Je devrais faire un peu là-dessus. Et donc, bon, plus scientifiquement, là, comment je fais, c'est je prends un spectre, mon spectre favori en rouge avec toujours l'hydrogène. Je fais un zoom dessus. Puis je force mon logiciel d'extraction à me faire deux courbes plutôt qu'une seule pour me dire quelle partie est rougie, quelle partie est bleue, puis de me faire la différence entre les deux pour savoir c'est quoi la vitesse d'expansion avec un chiffre, parce que c'est ça qui est important en science. Et donc, on obtient une expansion de 150 km par seconde, ce qui est énorme. On ne parle pas des km/h, là. On parle de km par seconde. C'est très, très rapide, mais 150 km par seconde, bon, c'est d'un bout à l'autre, et donc si je suis l'étoile, moi, en plein centre, c'est la moitié de ça, donc 75 km par seconde d'expansion. Et donc, grâce à des données comme la vitesse, ben, on est capable de faire l'approximation que plus tu vas vite, ben, plus tu es rendu loin de la nébuleuse, et donc on est capable, juste avec des observations comme ça, de faire un film en trois dimensions de ce qui se passe à travers la nébuleuse, et donc voici une vidéo que j'ai composée purement à partir d'observations. Il n'y a aucun modèle là-dedans. Il n'y a aucune fausse donnée. Bon, on voit qu'on a des données un petit peu moins fortes en flux, là, en quantité de signal en arrière de la nébuleuse. Puis on devine que l'étoile se trouve en plein centre. Mais ça, c'est révolutionnaire. C'est la première fois que ça se passe pour une nébuleuse à l'intérieur de la galaxie. Question quiz, je ne sais pas si ça vous tente. Y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à émettre une hypothèse de pourquoi il y a une ligne si franche ici à gauche? Quelqu'un? Comment? On observe juste d'un côté, on ne voit pas l'autre côté. Exactement, c'est vraiment la limite des données. On n'a aucune donnée qui nous indique ce qui se passe à gauche ici de la nébuleuse, et donc ce serait, si je vous montrais des données de ce côté-ci, en fait, on saurait que j'avais triché. Là, je n'ai pas triché. Et donc, voici l'image finale. On revient, on boucle la boucle, on revient avec l'image initiale. Et je veux conclure sur le fait que on tripe sur Espion, l'instrument qui est à l'intérieur de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Bonjour, nos courageux astronautes. On tripe sur Espion, on tripe sur Stèle et on tripe sur la nébuleuse du Crabe. Je mets en lien ici deux sites web très, très intéressants. Comme Stellarium, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'était plaisant? Cool. Et je conclue avec le besoin criant de vos téléphones pour vous faire scanner un code QR pour m'encourager si vous en avez envie, mais juste voir la science au niveau plus large qui se passe au Québec. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous encourage à voter pour l'image 10, qui est « Les étoiles se voilent pour mourir », qui est exactement cette image-ci. J'ai été finaliste pour ce concours-ci et donc on aura les résultats des gagnants en septembre. Voilà, c'est tout. Bravo. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Je suis toute oui et ça me ferait plaisir de vous y répondre. Alors, qui sera le premier courageux à se lancer avec une question pour notre conférencière? Oui? Mais en fait, vous avez parlé tantôt des supernovas. Est-ce que vous pouvez développer? Sur l'existence des supernovas? Je ne connais pas tant sur la supernova. Ah! Je connais de la supernova, mais... Oui, OK, bon. C'est vraiment une bonne question. La supernova, cet objet mythique dont on parle parfois. Est-ce qu'il y a des gens à me lever qui n'ont aucune idée c'est quoi une supernova? Ah oui! Génial. Est-ce qu'il y a des gens à me lever qui savent tout des supernovas? Ah, c'est normal de rien savoir sur les supernovas. Moi, je connais rien sur les supernovas. Ce qu'il y a à dire sur les supernovas, c'est que généralement, c'est des étoiles de très, très haute masse qui vont avoir tendance à exploser, faire des phénomènes... Ah! T'as-tu une animation pour nous?
Pas animé, mais je vais suivre ton propos. Ah, génial. Donc, c'est une étoile comme le Soleil, qui est d'une masse standard, légèrement plus faible, en fait dans la moyenne, n'explosera jamais en supernova. Mais dès qu'une étoile dépasse un certain seuil d'environ 8 fois la masse du Soleil ou plus grande, ben, sa vie va être très très rapide, puis elle va terminer en explosion catastrophique, qui va avoir des incidences sur son voisinage cosmique. Ce qui arrive avec mon objet, l'objet que j'étudie, c'est qu'il est assez loin de nous pour qu'il n'y ait aucune incidence quand il va exploser en supernova. On n'est pas en danger, mais à l'échelle cosmique, c'est quand même à un clin d'œil que ça va arriver. Ça va être catastrophique comme ça. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'objet que j'étudie en ce moment, moi, c'est un objet qui est à l'aube de subir cet événement-là. C'est une étoile qui est en fin de vie. C'est comme une étoile qui a comme passé sa retraite, qui se met à mal filer. Tu sais que bientôt, ça va être l'apothéose funeste. Genre. Merci d'avoir posé la question. Excuse-moi, j'ai même pas pris la peine de spécifier c'est quoi une supernova, puis j'en suis désolée. Puis pourquoi est-ce qu'on sait que ça va finir en supernova? C'est parce qu'elle est grande? C'est parce qu'elle est massive. Puis on sait qu'elle est massive parce qu'en faisant plusieurs études sur l'étoile, juste l'étoile, sans le gaz, on est capable d'estimer une masse. Selon ce qui s'est retrouvé à sa surface, selon le type de lumière qu'il est capable de nous émettre, etc. Mais juste le fait qu'elle ait une bulle autour d'elle, c'est un très bon indicateur de sa très haute masse. Donc, c'est une étoile qui, pendant sa séquence principale, pendant sa vie adulte, sa carrière étoffée, était de cette taille-ci. Donc, un type haut. Alors que le Soleil, c'est... Alors, pour compléter ici... Pour compléter ici, dans les étoiles les plus communes, c'est les naines rouges, les petites étoiles faibles et pas très chaudes. Hein. Je rappelle que vos robinets de salle de bain vous mentent. C'est les rouges qui sont les plus froides et les bleus qui sont les plus chaudes. Alors, pensez toujours à ça, les plombiers vous mentent. Des faces, là, je ne veux pas insulter les plombiers dans la salle. Notre Soleil, donc, est une étoile très moyenne, classe G ici. Et les étoiles les plus chaudes, alors ça c'est la température de surface, hein, soit dit en passant. À l'intérieur de l'étoile, on parle de millions de degrés. Et donc ces étoiles-là, les petites ici, c'est les étoiles qui vivent le plus longtemps. Parce que c'est comme des petites voitures économiques, fait que ça n'a pas beaucoup d'essence, mais ça dure longtemps avec. Des centaines de milliards d'années d'espérance de vie. Mais les étoiles les plus massives, des géantes bleues comme ça ici, leur durée de vie va être parfois quelques millions seulement. Millions, oui, tout à fait. L'étoile dont on parle ici, elle a commencé à cette taille-ci. En ce moment, elle a 5 millions d'années, ce qui est un millième de l'âge du Soleil. Le Soleil est 1000 fois plus vieux que cette étoile-là, puis il est encore très stable. Il va continuer à l'être pour encore 2 fois ce temps-là. Alors que cette étoile-ci, elle a 1 millième de ce âge-là, puis elle est en train de finir sa vie. C'est catastrophique. Alors, nous, ce qu'on aimait dire, c'est que si ça, c'est des petites voitures économiques, ça, c'est comme des gros camions, ils ont un gros réservoir, mais ils brûlent leur carburant tellement rapidement, leur vie est très courte. Mais ça, ici, je le rappelle, ça, c'est la phase de vie principale des étoiles, mais toutes les étoiles qui sont donc en agonie vont gonfler. Comme ça, ici, gonfler. Bon, pour le Soleil, gonfler beaucoup, par exemple, ça va donner une géante rouge, alors... Ça, c'est le Soleil aujourd'hui, et ça va être le Soleil à l'agonie. Mais les étoiles de type géante bleue, à l'agonie, ben, elles vont former des super géantes ou hyper géantes. Ça donne des étoiles comme, par exemple, ça ici. Le Soleil est là. C'est la bonne réaction qu'on recherche. Alors, c'est des étoiles comme ça qui vont souvent ultérieurement former, donc, des supernovas. Merci, Philippe. Ouais? Combien de temps d'exposition ça prenait pour faire tes photos? Chacun des filtres qu'on utilise, c'est environ 3 heures dans un télescope, ce qui est vraiment pas si pire considérant la quantité de données qu'on est capable d'acquérir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque seconde compte quand on fait une demande de temps à un télescope, donc il faut très bien justifier la nécessité de ces observations-là. Ce que j'ai été capable de faire moi-même en 2022 pour obtenir ces données-là, justement. Donc, la nécessité est là. On a le droit de se servir d'une espèce d'une merveille du monde pendant plusieurs heures consécutives, pendant une nuit qui est belle, qui est à découvert, qui n'a pas de nuages pendant plusieurs heures. Donc, c'est justifié scientifiquement.
ça répond à la question, j'imagine. Oui? Une naine noire. On a parlé de... Ben, on a vu une image de trou noir. Il existe aussi des naines blanches. Est-ce que ça se peut que ce soit une naine noire? Moi, je suis moins familière avec ça. Est-ce que c'est un trou noir? Non. Alors, les étoiles ordinaires, donc celles qui ne font pas de supernova, donc celles à laquelle Marianne ne s'intéresse pas, eh bien, les étoiles ordinaires, elles meurent doucement en nébuleuse planétaire. Ça fait juste pouf, ça fait pas boum, ça fait pouf. Et ça laisse, alors là ici, les supernovas vont laisser un cœur d'étoiles extrêmement intense et violent, étoiles à neutrons ou trous noirs. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment radicales, si j'ose dire. Mais une étoile ordinaire va laisser juste une naine blanche, une petite braise d'étoile, comme un petit cœur d'étoile mort, qui va juste irradier l'énergie déjà produite. Et les naines blanches vont, dans le futur, devenir tellement froides, juste un objet cristallin solide, une naine noire. Mais le cocasse, c'est que l'univers est trop jeune, il n'existe pas encore de naine noire dans l'univers. Parce que ça prend des milliards, des milliards, des milliards d'années avant qu'elle refroidisse complètement. Et donc, l'univers est trop jeune, ce qui n'est pas une phrase qu'on entend souvent dans la vie. Fascinant. Alors, les naines noires, donc, sont cet étage futur. Les naines noires vont exister un jour, mais elles n'existent pas encore. La science des êtres humains est quand même vraiment drôle, des fois. À ne pas confondre donc, avec les trous noirs qui sont un peu plus mystérieux. Turbulent aussi. On a encore le temps pour une autre question pour notre conférencière. Les étoiles à neutrons, je peux esquisser une réponse là, donc ça va être les étoiles très très massives comme celles dont je parle ici ce soir qui vont produire des étoiles à neutrons. C'est des étoiles qui à la place de créer des naines blanches comme celles-ci, ils vont tellement avoir un cœur gros, tellement massif, tu sais à l'intérieur là, ça va être super dense. Sa gravité va faire en sorte qu'on va aller au-delà de la force atomique. On va être obligé de coller les noyaux, chose qui n'arrive jamais à l'échelle humaine. On n'est jamais capable de coller des noyaux d'atomes ensemble, on est juste capable d'approcher des atomes, incluant tout le vide qui est autour des noyaux. Mais une étoile à neutrons a une si grande gravité qu'ils vont être capables de rapprocher les noyaux. Ça fait quand même des objets qui sont fascinants à observer, que à l'échelle du visible, à l'échelle de l'œil humain, on ne peut pas le faire. Je pense que c'est radio, c'est rayon. Je ne sais plus c'est dans quel type d'onde électromagnétique. Il va y avoir différentes ondes, mais oui, en particulier au pôle magnétique de l'étoile à neutrons, il va y avoir des productions de jets d'ondes radio, souvent extrêmement puissants de calibre, sandblaster la Terre à des années-lumière de distance. Alors ça ici, là, si la Terre passait dans le jet de l'étoile à neutrons, on se ferait arracher l'atmosphère complètement. Je ne le recommande pas. Heureusement, pour nous, les étoiles à neutrons, il n'y en a aucune qui est assez proche pour nous causer du problème. Mais oui, il y a des rayonnements extrêmement puissants qui sortent d'une étoile à neutrons. Marianne a dit que c'est très, très dense. Dense comment? Ben, prenez un petit bol de céréales, là, ramassez une bolée d'étoiles à neutrons, et c'est à peu près une masse comparable, disons, à, je ne sais pas, une couple de fois le Mont-Royal dans votre bol. C'est ce genre de substance-là. On a encore du temps pour des questions, oui? Tu dis qu'elle va bientôt exploser, ton étoile, ouais, en supernova. Est-ce que c'est similaire à Betelgeuse, genre, bientôt comment? C'est vraiment une bonne question. Êtes-vous dans la salle familier avec Betelgeuse? C'est une étoile dans la constellation d'Orion qui est vraiment rouge. En fait, une fois qu'on sait qu'elle est là, elle est immanquable. La plupart des étoiles sont blanches, elle est orange. Puis, dans les trois dernières années, en fait, elle a vécu des sursauts sur Terre. Un moment donné, elle n'était plus là, on la voyait plus. Puis là, on se demandait ce qui se passait. Est-ce qu'elle est en train de vivre un sursaut? Est-ce qu'elle est en train d'exploser en supernova? On ne sait pas. Voilà. Puis, ben, récemment, c'est réarrivé. Hein? Je pense qu'elle a eu un pic descendant dans sa luminosité. Betelgeuse est vraiment, vraiment proche d'exploser en supernova. Ce qu'on devine encore là, on est des scientifiques, mais on n'est jamais vraiment sûr. Mais on devine qu'on est à quelques années, quelques milliers d'années, disons, donc un clin d'œil stellaire. On dit aussi un clin d'œil stellaire pour l'explosion supernova de mon étoile WR-136, malgré qu'on estime que ce soit environ là, dans les millions d'années. Okay. C'est ce qui est vraiment proche à l'échelle stellaire. Disons
disons 10 000, peut-être, centaines de mille années. Donc Betelgeuse, c'est vraiment plus rapproché. Pour compléter ici, quand on parle de supernova, la plupart des supernovas sont très loin dans l'univers, alors les gens s'en rendent pas compte. Ah, il y a juste des astronomes qui virent fous dans leur absolu leur dans leur bureau. Mais Betelgeuse est un des rares cas qui va être facilement perceptible pour tout le monde. Ça, c'est le ciel en hiver. Alors, on a le village de la Patrie ici en bas. Et là, on a la constellation d'Orion avec l'étoile Betelgeuse. Ça, c'est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Là, ici, on a le Taureau et les Pléiades. Et ça, c'est le ciel en ce moment. C'est une photo qui a été prise il y a quelques années. Et voici à quoi ça va ressembler lorsque Betelgeuse va exploser en supernova. Comme ça ici. On va la voir pendant le jour. Ça va être quelque chose. Si la constellation d'Orion est dans le ciel du jour, oui, on va la voir en plein jour. Ça va être un petit point lumineux réalisé en plein jour. Si on la voit la nuit, ça va avoir l'air de ça. C'est... Alors, on a hâte. Si vous avez une chose à souhaiter, souhaitez que Betelgeuse ait déjà explosé pour qu'on puisse la voir le plus rapidement possible. Parce que ça prend quand même quelques siècles à se rendre la lumière. Alors, voilà quoi une supernova d'une étoile relativement proche ressemblerait dans le ciel. Oui. À l'échelle humaine, toute ta vie. Mettons ton enfant naîtrait en même temps que ça se passe, là, il verrait toute sa vie. Ce serait son quotidien. Oui. Puis, l'état des photos que vous prenez de la nébuleuse du croissant, ça fait combien de temps que ça s'est passé quand nous, on voit la photo? C'est un objet, ben, tu veux dire, elle a vécu ça, son état actuel, il y a combien d'années? Ouais, c'est ça. Okay. Elle se situe à environ 5000 années-lumière, donc ça fait 5000 ans. Okay. Je pense que ça conclut le temps qu'on avait. Est-ce qu'on a une dernière question? L'autre étoile jaune, c'est quoi? Ici? Ouais. Aldébaran. Dans l'étoile principale de la constellation du Taureau. Oui, il y a un taureau là-dedans, supposément. Donc, vous êtes satisfait dans votre cosmos? Ah, est-ce qu'on a une question ici? Pas sur cette image-là. Parce que cette image-là, ici... La petite ours, elle est comme à l'inverse. Là, on regarde un peu plus vers le sud-ouest. La petite ours, ça serait comme dans l'autre bord par là-bas. Alors, on ne regarde pas dans la bonne direction pour voir la petite ours ici. Ah, une dernière question, ça? Oui, je veux bien. La raison pourquoi il y en a des plus petites, ça... OK, on commence avec la couleur. La couleur nous dit à quel point elle est chaude. Puis sa chaleur, généralement, nous indique à quel point elle est grosse, à quel point elle est lourde. Et donc, plus elle est bleue, plus elle est lourde, plus elle est jaune, rouge, plus elle est petite. Comme notre soleil, c'est une petite étoile. La raison pour qu'on les voit plus grosses ou pas, ben c'est la proximité. Si elle est vraiment proche, ben on va la voir légèrement plus grande ou plus lumineuse dans nos yeux. Si elle est vraiment plus loin, ben on la verra presque pas, on va la voir plus petite. Et pour avoir un complément à ce que Marianne vient de dire, ici on a donc deux étoiles. Alors là, ici on a Alpha Centauri et ici on a Proxima Centauri. Proxima ici, elle est légèrement plus proche de nous que n'est Alpha. Mais ça, c'est une étoile très faible et peu lumineuse, alors que celle-là, elle est quand même assez lumineuse par elle-même. Alors, on voit qu'une étoile peut être plus proche, mais beaucoup moins lumineuse, parce que la luminosité apparente, ça dépend à la fois de sa brillance à elle, mais aussi de sa distance. Alors, une belle illustration de ce que Marianne vient d'expliquer ici, avec les étoiles voisines. Oh, ouais, finalement, il y avait plein de questions! Parfait! C'était vraiment un plaisir d'essayer de répondre. Ah, une dernière. Oui? Oui? Ah, ici, là? Ah, ben, c'est d'autres étoiles. Pas mal tout là-dedans est une étoile. Inquiète pas, on n'en manque pas. Alors, excellent. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne.